Seigneur, l'église dit oui. Oh, oui. Oh, lumière dit oui. Lumière dit oui. Oh, oui. Oh, oui. Seigneur, lumière dit oui. Oh, oui. Oh, ma vie dit oui. Ma vie dit oui. Oh, oui. Oh, oui. Seigneur, ma vie dit oui. Oh, oui. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, toi l'omniscient, toi l'omniprésent, toi l'omnipotent, c'est toi qui es notre Dieu, Dieu tout-puissant. Ce soir, voici que nous sommes venus encore dans ta présence, Père. Seigneur Jésus, nous sommes un peuple qui est toujours dans les besoins. C'est pourquoi nous venons devant toi, toi le tout en tout, toi le plus grand que Salomon, Seigneur. Oh Dieu, quand tes enfants sont venus ce soir, Père, ils ne sont pas venus pour contempler un homme, mais ils sont venus parce qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas qu'il manque quoi faire, oh Dieu, mais c'est parce qu'ils ont soif de toi. Ils ont besoin de t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi ils ont abandonné toute autre chose. Et ils sont venus devant toi ce soir, Seigneur. Accepte de les récompenser. Accepte de les bénir, Seigneur Jésus, pour qu'en sortant d'ici, d'une manière ou d'une autre, Père, qu'ils soient bénis de ta part. Ou en ta parole que nous voulons lire maintenant, Seigneur. Fasse-nous du chemin, ô Dieu, pour que toi seul tu puisses nous utiliser pour ta gloire et pour la bénédiction de ton peuple. Sois avec nous pendant cette partie, Seigneur, et viens prendre le contrôle de la prominence de cette partie. Et sera du début jusqu'à la fin. Je te prie au nom qui est au-dessus de tous les autres noms, au nom puissant qui nous accorde toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole. Ce soir, nous allons lire dans Jean au chapitre 14. Je vais commencer à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Êtes-vous dans la joie cet après-midi? Saluez un peu celui qui est à côté de vous, dites-lui que Dieu vous bénisse. Nous vivons dans un temps où Dieu nous a envoyé un prophète muni d'un message. C'est le prophète que Dieu a envoyé qui est muni d'un message. C'est pour vous dire que moi je n'ai pas un message particulier. C'est pour vous dire que moi je n'ai pas de conviction. Moi, je n'ai pas de citation. Et je ne connais pas les citations de tendance. Alléluia. Amen. Je ne connais pas les citations de tendance. Les citations de tendance, c'est quoi? Oh, ça, ce sont les citations de ceux qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Oh, ça, ce sont les citations de ceux qui disent que les tonnerres sont déjà révélés. Oh, ça, ce sont les citations de ceux qui disent que Jésus est déjà venu. Oh, ça, ce sont les citations de ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Oh, ça, ce sont les citations de ceux qui disent que Dieu est venu dans ces derniers jours dans une chair humaine. Je ne connais pas les citations de tendance. Toutes les citations, ce sont les citations de feu Branham. Moi, je n'ai pas de conviction. Toutes les convictions, ce sont les convictions de Frère Branham. Moi, je suis ici, pas pour présenter mes convictions. Je suis ici pour répéter les convictions d'autrui de Frère Branham. Je suis ici pour présenter les citations de Frère Branham placées à leur juste place. Même si les gens ont pris certaines déclarations pour aller adorer Frère Branham, cela ne doit pas faire que moi je ne peux pas prêcher sur ces déclarations-là. Je prêche sur ces déclarations-là. Et je n'adore pas Frère Branham. Parce que le seul Dieu adorable dans tous les âges, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que William Branham a adoré. Et William Branham, il est notre modèle dans cet âge. Comme il est notre modèle, et que lui a adoré le Seigneur Jésus, nous aussi, nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui adorent William Marion Branham, ils font de lui un faux prophète. Dans le cinquième soir, Frère Branham dit, un véritable prophète ne peut pas se laisser
adoré. C'est pourquoi je peux élever Frère Branham. Je peux parler de lui de n'importe quelle manière. Je peux parler des œuvres que Dieu a faites avec lui. Mais pour ce qui est de l'adoration, l'adoration reste pour Jésus-Christ seul. Paul avait dit tout ce que vous devez faire en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas faire quelque chose au nom de Jésus-Christ, oubliez cela. Il n'a pas dit mettez à côté, parce que si vous mettez à côté, il y a risque d'aller reprendre. Et il dit oubliez cela. Applaudissons pour Jésus. De la manière qu'on parle de Dieu dans la chair humaine, mais pourquoi on adore pas les prophètes? Il n'y a pas une promesse selon laquelle on doit adorer le prophète William Marion Branham. Les citations de ceux qui disent que. Toutes les citations. Les citations de Frère Branham. C'est question de les prendre. Et les mettre à leur juste place. Quand les gens disent ça. Et est-ce qu'ils ont déjà goûté Jean 14, 12 très bien? Est-ce qu'ils ont déjà goûté le bien qu'il y a dans Luc 17:30? Pour que moi je puisse mettre ça à côté. Pour que moi je ne puisse pas prêcher sur ça. Parce que les autres ont prêché sur ça et ils ont adoré William Branham. Je parle de lui dans la chair. Mais j'adore toujours le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur les affaires du Père. La semence n'hérite pas avec la balle. J'avais lu la fois passée, je relis et on passe. Je suis au paragraphe 152. Frère Benamachi. Alors qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Oui, monsieur. Qu'est-ce que cela doit faire? Il est la poche à faire nini. Confirmez Malachi 4. Confirmez Luc 17:30. Confirmez Hébreux 13:8. Confirmez Jean 14:12. Confirmez la totalité de sa parole. Confirmez Apocalypse chapitre 10. L'ouverture de sept sceaux. Et les mystères de Dieu. Même jusqu'à la semence du serpent. Et que tout serait manifeste. Mariage et divorce. Et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les pliers pendant toutes ces années. Aux théologiens. Et ainsi de suite. Mais maintenant. C'est l'heure. Voilà les affaires du Père. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai lu dans Jean au chapitre 14. C'est l'une des affaires du Père que je commence. Pendant que je vais parler de Jean 14, 12, cette promesse elle-même va appeler Saint Luc 17:30.
Si dans Jean chapitre 14 verset 12, comme Yohana sura ya 14 mstari wa 12, nous avons lu ceci. Tulisoma hivi. Celui qui croit en moi, ula na nyamini ndani yangu, il fera aussi. Atatenda pia. Celui qui croit en moi, ula na nyamini ndani mwangu, il fera aussi. Atafanya pia les œuvres que je fais. Matendo iliko natenda. Et il en fera de plus grand. Na yeye ataitenda tena zaidi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je m'en vais au Père. Kwani mimi naenda kwa Baba. Cette promesse. Iya dizo. C'est une promesse de controverse. Yo ila kwa dizo ya mangambo mbili. C'est une promesse où la une certaine catégorie de gens limite cette promesse seulement à Frère Branham. Et malako ina kwa ni malako mabantu ina bana shamishaka tu papa Dieu à Frère Branham. Mais par la grâce de Dieu. Walakini kupitia neema ya Mungu. Nous allons prendre le même Frère Branham. Tutamchukua ndugu Branham moja moja. Et il va nous montrer la vérité là-dessus. Na atatonesha ukweli pale juu. Jean 14, 12. Yo wana kumi kumi na hina na kumi na mbili. Mais pas seulement pour Frère Branham. Aiko tu paka njua ndugu Branham. Jean 14, 12. Jean 14, 12. C'est une promesse et pour Frère Branham et pour tous les membres de l'épouse. Ya dizo ya moja njua ndugu Branham na ingine njua bana memba wote wa bibi harusi. Parce que Frère Branham, c'est le premier chrétien dans cet âge. C'est le pasteur international. Frère Branham, c'est la première semence qui est arrivée à maturité. Et cela c'est un signe que dans les champs, il y a d'autres semences qui, quand elles vont aussi arriver à maturité, ces semences-là, elles feront la même chose. Seulement, dans cette promesse de Jean 14, 12, il y a la particularité de Frère Branham. Huko tu upande tu kipande kimagira mangatu ndugu Branham yeye mwenyewe. Et sa particularité là. Na ile kipande la mangatu yeye. Ce n'est pas mon appel. Ila ina wito wangu. Sa particularité là. Na kipande kake upekee wake. Moi et vous on ne peut pas entrer dedans. Wewe na mimi hatuwezi kuingia kama mule ndani. Parce que cette particularité là. Ile upekee ile. Elle n'est pas accomplie par la portion du Saint-Esprit. Cette particularité là, elle est accomplie par la plénitude, la totalité de Dieu. Mais les autres œuvres de Jésus-Christ, en tant que croyant, nous pouvons les accomplir avec la portion de l'Esprit. Mais Luc 17:30, que Jean 14, 12 va appeler, Jean 14, 12 taïta, cette promesse-là, là, il faut seulement la totalité de Dieu, la plénitude de Dieu, tout Dieu dans un homme. Et toi et moi, na wewe na mimi, nous ne pouvons pas supporter la totalité de Dieu. Hatuwezi kama kuvumilia ubungu wote uzima ndani mwetu. On va éclater. Tutapasuka. La totalité de Dieu en moi ou en toi. Nous allons éclater, nous allons mourir. Ndani yangu wala ndani yako tutapasuka na tutafariki. Mais Frère Branham, voilà qui nous Branham. Il est fait de manière. Tuingiwa tu mnamna moya. De manière à supporter. Mnamna kuvumilia. Supporter la totalité de Dieu. Kuvumilia butele wa Mungu. La plénitude de Dieu. Butele wote wa Mungu. Supporter tout Dieu en lui. Kuvumilia Mungu wote mzima ndani mwake. Pour faire quoi? Je kufanya nini? Pour accomplir le signe messianique. Je kutimiza ile alama ya kimesia. Pour faire quoi? Pour manifester le même ministère qu'avait Jésus-Christ quand il était sur la terre dans un corps de chair. Est-ce que nous disons amen? Et nous applaudissons pour Jésus. Et Jésus. Dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Léo Yanji Konatimilia.
Une prédication prêchée l'église le 9 février 1965. Paragraphe 57 à 53. Nous voulons nous édifier et corriger ce qui limite la promesse de Jean 14-12 seulement à Frère Branham. Na kutengeneza wale bana kutupelewa Jean 14 mpacho pa ndugu Branham peke yake. Et l'histoire se répète toujours. Ajishi na kwa nifashika paka kila siku. Et les écritures ont plus d'un sens et plus d'une révélation qui s'y rattache. Na miandiko na ba ngambo moya na ile nyeo funua inajunganisha ako. C'est là que frère dit qu'une écriture peut avoir une double application ou un double accomplissement. Frère Banamaji, par exemple, comme il est dit dans la Bible, que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, en parlant de Jésus. Consultez la note à marge là et vous verrez que ça s'est rapporté aussi à Jacob. Ce même passage de l'écriture. La même écriture qui s'applique, qui s'accomplit sur Jésus-Christ. Et la même écriture qui s'accomplit sur Jacob. La même écriture. Quoi ça? Une double application. Quoi ça? Un double accomplissement. Parce que frère Benamadi, Dieu est son propre interprète. Il dit, comment Dieu interprète-t-il sa parole? Frère Benamadi, l'interprétation de la parole de Dieu, voyez comme cette parole-là s'accomplit. La façon que la parole s'accomplit là, frère Benamadi, c'est ça l'interprétation. Jean 14-12. Voyez comment cette promesse s'accomplit. Son accomplissement là, c'est ça l'interprétation de Dieu sur Jean 14-12. Frère Benamadi, consultez la note en marge là et vous verrez que ça s'est rapporté aussi à Jacob, ce même passage de l'écriture. Jésus était son fils majeur. Jacob était bien son fils. Qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est ce que la référence de Scofield et toutes les autres références donnent pour ça. Parce que c'est le même passage de l'écriture auquel ça faisait allusion. Donc il y avait à ça un double accomplissement. Il y avait un accomplissement en Jacob. Il avait été appelé à sortir. Et en Jésus. Il avait été appelé à sortir. Voilà pourquoi Jean 14-12. Ce n'est pas seulement une promesse du messager seul. C'est une promesse de Frère Branham. Et c'est une promesse aussi des autres membres de l'épouse. 59, Frère Branham dit. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans la confusion autant que nous le sommes. Et que les gens n'arrivent pas à voir la vérité de Dieu. C'est pour ça. Il y a trop d'interprétations humaines de la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète.
Comme une écriture a une double application. Comme une écriture a un double accomplissement. Voilà pourquoi cette écriture de Jean 14, 12, elle n'est pas seulement pour Frère Branham. Mais elle est pour Frère Branham et pour les autres membres de l'épouse. Parce que limiter la promesse de Jean 14, 12 à Frère Branham seul. En d'autres termes, c'est dire que il n'y a que Frère Branham qui est croyant. Comme les gens disent. Oh, c'est Frère Branham qui est le croyant seul. Oh, c'est Frère Branham qui nous représente dans l'enlèvement. Vous voyez? Il limite cette promesse à Frère Branham seul. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup qu'on leur raconte l'histoire. Les gens aiment beaucoup qu'on leur parle seulement de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Là, quand le prédicateur se tient ici, il dit, aujourd'hui, Léo, avec Frère Branham, Dieu a fait. À ce moment-là, les gens sont contents, les gens crient, les gens s'élèvent. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Dieu a fait avec Frère Branham. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi avec moi et avec toi? Parce que ce qu'il a fait avec Frère Branham, il faut que Dieu fasse aussi cela avec moi. Je ne dois pas seulement être là pour dire, pour dire que Dieu de Frère Branham, Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais arriver aussi à dire aux gens que mon Dieu. Quand Dieu a suscité Josué, il lui a dit, si tu ne te détournes pas de la loi de Moïse, mon serviteur, si tu ne vas ni à gauche ni à droite, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et à ce moment-là, je serai avec toi. Hein? Je serai avec toi, Elisareth. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu avec Moïse. Oh, les mouches ont été créées. La mer rouge a été fendue. Beaucoup de choses ont été faites. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu avec Josué. Josué a arrêté le soleil en plein jour. C'est quoi ça? Le même Dieu de Moïse qui se manifestait à Josué. Oh, applaudissons pour Jésus. Parce qu'il y a des ministres. Ils se disent prédicateurs. Ils se tiennent derrière la chair ici. Pour dire au peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait avec Frère Branham. On a qui l'a fait avec Parce que Élisée, Elisha,
qui suivait Élie. Élisée était attentif à Élie. Élie lui a dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu cherches quoi? Élisée a dit, je cherche la double portion de ton esprit. Élie ne lui a pas dit, ce n'est pas faisable. Élie lui a dit, regarde-moi pendant que je monte. Regarde-moi pendant que je monte. Sois attentif. Ne sois pas attiré par n'importe quoi à gauche à droite. Alors du moment que je monte, cela va tomber sur toi. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Élie est monté, on arrivera à cela. Quand Élie est monté, il a laissé tomber son manteau sur Élisée. Élisée a pris le manteau d'Élie. Maintenant, pendant qu'il exerçait son ministère, il s'est retrouvé devant un blocage. Le blocage était là. Le Jourdain était là. L'obstacle était là. Qu'est-ce que Élisée a pris la même tunique. Élisée a pris le même manteau. Il a frappé le Jourdain. Pas seulement ça. Il frappe. Il dit, où es-tu, toi, le Dieu d'Élie? Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, quand nous retrouvons devant un blocage, nous retrouvons devant une barrière, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, où es-tu toi le Dieu d'Élie? Où es-tu toi le Dieu de Branham? Où es-tu toi le Dieu de Branham? En ce moment-là, le Dieu de Branham va descendre, il va agir. Parce que frère Branham dit, le Dieu du ciel, il est une église sans puissance. Une église sans puissance. Dieu est contre cette église. Frère Branham n'est pas sur l'épouse. C'est un membre de l'épouse. Dans l'épouse, il y a beaucoup de membres. Applaudissons pour Jésus. Dans la prédication, le choix d'une épouse. C'est un message prêché le 29 avril 1967. Paragraphe 137. À partir du milieu, là, frère Benamadi. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millénium, son épouse, ce ne sera pas qu'une seule personne. Est-ce que vous suivez? Son épouse, ce ne sera pas qu'une seule personne, mais des dizaines de milliers de personnes qui nous formeront. L'épouse. Vous voyez? L'épouse ne sera pas qu'une seule personne. Les gens qui disent que l'épouse c'est une seule personne et que c'est frère Branham, ils comprennent mal les choses. Ils ont déplacé l'écriture de son contexte. Frère Branham a dit, le salut est une affaire individuelle entre la personne et Dieu. Mais, pour ce qui est d'être épouse, frère Branham n'est pas seul l'épouse. S'il est seul l'épouse, toi tu es qui?
Si il est seul l'épouse. Quand tu as envoyé frère Branham. Et qu'il a manifesté la parole pour cet âge. Maintenant ceux qui ont cru ce message là. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Boni banani. Oh, ferme l'épouse seule. Ferme l'épouse seule. Ferme l'épouse seule. Mais toi, tu es qui? La promesse dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Car moi, je m'en vais au Père. Il n'a pas dit que je m'en vais chez le Père. Il a dit que je m'en vais au Père. Frère Branham, aller au Père c'est quoi? Frère Branham dit, Jésus voulait reprendre la forme qu'il avait au commencement. Il voulait reprendre la forme de la colonne de feu. Frère Branham dit, cette forme-là, on l'appelle la colonne de feu. On l'appelle le logos. On l'appelle le Fils, on l'appelle l'onction. Alors Jésus dit, quand je vais reprendre cette forme-là, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes. Or je m'en vais au Père. Vous savez, Bradua. Frère Benamadi, j'ai circulé le monde entier pour dire aux gens, il y a un ciel où aller et il y a une affaire à éviter. Lui-même, il a eu l'occasion d'aller en enfer. Il a visité l'enfer. Et au retour, il dit, cet endroit-là, c'était un endroit très mauvais. Ne souhaitez pas y aller. Priez pour que même un membre de votre famille n'aille pas là-bas. Le même frère Banam, il a eu l'occasion de visiter la sixième dimension. Oh, j'aime beaucoup cela. Quand il a visité la sixième dimension, il dit, je vis des gens venir vers moi par milliers. Des milliers de personnes qui venaient vers moi. Il disait, Précieux frère. Ils n'ont pas dit. Seigneur Jésus Christ. Parce que frère Branham n'est pas Jésus Christ. C'est lui qui fait de frère Branham Jésus Christ. Il veut rendre frère Branham anti. Christ. Parce que William Branham dit, faire de moi la personne de Jésus Christ, c'est antichrist. Mais dire que la même vie qui était en Jésus Christ est en moi, c'est l'exacte vérité. Vraiment. Des milliers de gens sont venus vers lui. Frère Branham, notre précieux frère. Tout ça, ce sont des Branham. On lui dit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis au Seigneur. La femme qui vient de t'embrasser, qui est dans la fleur de la jeunesse, tu l'as baptisé à l'âge de 90 ans ou plus de 90 ans. Ici, elle est déjà jeune. Parce qu'ici, il n'y a pas de fatigue. Ici, il n'y a pas de vieillesse. Ici, c'est vraiment merveilleux. Les gens sont venus par milliers. Précieux frère. À un moment donné,
On a commencé à saisir William Branham. Pour le soulever. Pour le soulever. Il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait ça. Laissez-moi. Il n'a pas fait ça. Kama vile. Il a dit. Anasema. Pourquoi vous faites ça? Asa, kwa nini muna inuinua hivi? Ils ont dit. Paris Mujibu, Frère Branham, Dugu Branham, toi ici, we, uyu, sur la terre, we, pa udongo, tu étais chef. Ulikuwa mkubwa msultani. Et il s'est dit. Na akasema. Il a dit. Anasema. Mais j'aime beaucoup Jésus-Christ. Mina penda sana Yesu Kristo. J'ai besoin de le voir. Mina penda kumuona ako. On lui a dit. Bana mambia. Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Auwezi kama kumuona hapa sasa. Il est dans une dimension un peu supérieure à la dimension où vous êtes. Yeye kama watu ya juu kupita hii hatua wiko. Quand il viendra. Wakati atarudi. Il viendra vers toi d'abord. Atakuwa atanzia kwanza kwako. Tu seras jugé. Na watahukumiwa. Sur ton enseignement. Pale mafundisho yako. Pour que nous puissions entrer ou ne pas entrer. Sasa tuingia tushingie. Ça dépend de ton enseignement. Oui, la mafundisho yako. Oui, la maramari. Il a parlé malasema. Est-ce que Paul aussi sera jugé? Et Paulo pia atahukumiwa? On lui a dit. Malamambia. Oui, oui. Dio. Paul aussi. Paulo pia. Il sera jugé. Atahamuriwa. Frère maramari. Oui, malasema. Comment Paul sera jugé? Oui, Paul atahamuriwa. Si les gens de Paul entrent. Paulo wala ingia. Alléluia. Alléluia. Si les gens de Paul entrent. Paulo wala ingia. Les miens. Pia. Entreront aussi. Atahamuriwa. Alléluia. Hey, amen. Et ils ont dit, ah, walisama, Frère Branham, c'est là que nous nous reposons. Nous nous reposons là-dessus. Et ils ont dit, William Branham, Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Maintenant, tu parles là. Ce sont des païens. Non. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des idolâtres. Ce ne sont pas des féticheurs. Qui parle là? Ce sont les croyants de Frère Branham. Mais comment limiter cette promesse à Frère Branham? Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Tu as supporté les injures. Tu as supporté de mauvais langages. Les résultats. Voilà maintenant nous sommes ici. L'épouse. Bilahusi. Est formé de beaucoup, des milliers. Anatungiwa na watu maelfu na maelfu ya watu. Un croyant du message de Frère Branham. Waminifu ujumbe wa ndugu Branham. C'est quelqu'un qui doit prendre toute la parole prêchée par Frère Branham. Ni mtu anaposha kuchukua neno yote la ndugu Branham alihubiri. On ne doit pas choisir. Hatuwezi kuchakula pana. Oh, moi j'aime seulement ça. Oh, ninapendaka tupaka hii mahubiri. Oh, moi j'aime seulement ça. Ninapendaka tupaka hii. L'agneau. Bwana kondoo. On doit le manger dans son entièreté. Unapaswa kumkula mbuzima wake wote. Frère Maramadi. Bwana manasema. Et cet agneau-là. Bwana kondoo. Il est la parole. Oh, ni neno. La parole. Neno. On doit la prendre. On doit la manger. Dans son entièreté. Mbuzima wake wote. Applaudissons pour Jésus. Mushangilie kwanza Yesu. Frère Branham, Dugu Branham, si tu n'étais pas venu, kama ukukuihe, nous ne serions pas ici. Se tenir ici, kusimama hapa, dire seulement aux enfants de Dieu, kukonesha tu watoto ya Mungu, dans telle prédication, mahubiri fulani, Frère Branham dit, Dugu Branham anasema, D'accord. On doit dire Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. On doit fermer. Et prier. Et invoquer le Dieu de Frère Branham. Na kualika ule Mungu wa ndugu Branham. C'est ce qui édifie, qui aide l'épouse. Tu vois qu'il a l'air tangouf quand il vient aussi. Même les sœurs. Atawadada. Vous n'êtes pas exempté. Mwea mutoshwe mwapana. Et vous et les frères. Na mwe na wanduku. Et votre mari et vous. Na bwana yako na wewe. Et votre femme et vous. Na bibi yako na wewe. Et vos parents et vous les enfants. Na wazazi yenu na nyinyi watoto. Et le pasteur et vous l'église. Na pastori na wewe kanisa.
Dans le mariage et le divorce. Dani andoa na kuvunja ndoa. Paragraphe 238 feu Branham. Obeti 234 na 8 ndu bana bana sema. Maintenant regardez en dernière. En dernière analyse, regardez, il y a un Jésus-Christ pas vrai, un homme, Dieu, Emmanuel. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Mais sa femme est formée de beaucoup de mains, des milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'église. Kanisa. Vous comprenez maintenant. Et sasa, frère me dit Amen. Kwa yanjiko. Parce que vous avez refusé avec votre Amen. Kwa katana, mina yako. Alors frère lui a dit Amen. Asa, ndugu panama, ya nasema, amina. Au prof 243. Il y a un seul Christ. Kuko Christo tumoja. Et beaucoup de membres qui forment cette épouse. Na wana memba mengi wanatunga ule bibi harusi. Dans le premier saut. Dani ya muri wa kwanza. Un message prêché le 18 mars 1963. Ujumbe bariubiri mutare wanaleta. Au paragraphe 100. Ubeti wake mia moja. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Bon, mais la vraie épouse sera formée des milliers de gens. Mais ce seront les élus de chaque âge de l'église. Chaque fois qu'un message a été proclamé et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. Toujours dans le premier saut. Parole 105. Frère Branham dit, voyez-vous, or ceux-là, ce sont les élus. Et quand les soins ont retenti, voici les poux. Alors tous ceux qui s'étaient endormis, tout au long des anges, se sont réveillés tous. Voyez-vous, ce n'est pas comme on pourrait le penser. Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge ici seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Parce que dire que Frère Branham est seul l'épouse, c'est que lui là, il est le premier et le dernier croyant. Maintenant il a prêché à qui? Il n'a pas réussi sa mission, il n'a converti personne. Mais les croyants de Frère Branham sont dans le monde entier. Sa mission a réussi. Sa mission a réussi. Il a réussi à convertir les gens. Voilà pourquoi l'épouse est formée de beaucoup d'aimants. Si vous étiez seulement du côté de Jean 14, 12, c'est pour Frère Branham seul. Il y a un aspect de Frère Branham seul. Et il y a un aspect des autres membres de l'épouse. Je suis maintenant dans le saut de Pâques. Un message qui est prêché le 10 avril 1965. Au paragraphe 12. Et comme dit le cantique, nous sommes à la recherche de cette
petite brebis perdue. Tu kona tafuta kale kamwana kondoka doka ndio alipotea. Frère, il n'est pas seul croyant. Il n'est pas seul chrétien. Il n'est pas seul l'épouse. C'est le membre de l'épouse. Autant de Paul. Paul disait à ses croyants, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Quand on vous prêche, et quand nous irons au ciel, nous n'irons pas entrer dans le ciel de Paul, nous irons entrer dans le ciel de Frère Branham. Vous allez entrer dans le ciel de Frère Branham, païen ou croyant. Entendons-nous? Le ciel. Bingo. Le ciel des frères de Branham. Une vaste portion lui a été réservée. Dieu savait que nous serons nombreux. Maintenant, entendons-nous. Disons-nous les choses clairement. Nous allons entrer dans le ciel des frères Branham. Des païens ou des croyants. Vous voyez? La Bible dit, celui qui ajoute ou retranche à la parole, son nom peut être effacé du livre de vie. C'est pourquoi nous nous efforçons de parler là où Frère Branham parle, là où il s'était, nous nous taisons. Il ne viendra pas, parlant de Jésus, il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas entrée. Frère Branham dit en 65, Jésus ne viendra pas. Il 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 ne viendra pas. Tant que la dernière brebis n'est pas entrée. Oh, Jésus est déjà venu observer-le dans la nuée. À la seconde venue, Jésus ne viendra pas dans une photo. D'ailleurs, là-bas, ce n'est pas Jésus entier, c'est la tête seulement. Nous n'avons pas la promesse qui dit que, à la seconde venue, Jésus viendra la tête. Mais la Bible dit, le même Jésus qui est là, c'est le même Jésus qui va revenir. Frère Branham dit, Jésus en allant, il est allé dans une forme physique et il reviendra dans une forme physique. Frère Branham dit, ce Jésus dont nous avons l'esprit maintenant, un jour, il reviendra dans un corps physique. Jésus n'est pas encore venu la seconde fois. Le temps où nous sommes, c'est le temps de l'apparition du Seigneur. Et l'apparition du Seigneur, c'est sur la terre. L'esprit dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. C'est quoi? L'apparition de Jésus-Christ sur la terre. Et quand Jésus viendra la deuxième fois, ses pieds ne toucheront pas la terre, mais il va s'arrêter dans les airs. C'est l'épouse qui va le rencontrer dans les airs. S'il vous plaît, corrigez votre enseignement là.
Jésus est déjà venu. Yesu ashakurudia. Quand Jésus viendra, wakati Yesu atarudia, il n'y aura pas quelqu'un pour le dire aux autres. Akutaweka mtu kuambia wengine. Même le pasteur Élisée, ata pasteur Elisha, il ne vous dira pas que Jésus est venu. Ya kwamba Yesu anakuja. Il n'y a pas de promesse de ce genre. Akula malako ya vile. Quand Jésus viendra, wakati Yesu atarudi, ceux qui l'attendent, il faut expérimenter cela. En d'autres termes, la seconde venue, c'est une expérience. Jésus est déjà venu. On va à l'hôpital. Jésus est déjà venu. On va en ville pour travailler. Jésus est déjà venu. On est affamé. Jésus est déjà venu. On transfuse quelqu'un. Quand Jésus-Christ viendra, c'est fini avec les maladies. C'est fini avec les chagrins. C'est fini. C'est la fin de la prédication. C'est la fin des réunions de prière. C'est la fin des prières. De la Sainte Seine. Quand Jésus viendra, c'est pour enlever son épouse. Frère Branham dit, il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas entrée. Il faut que tout soit dans la bergerie. Il ne fermera pas la porte tant que la dernière ne sera pas entrée. Donc, mes frères dans le ministère, oh que Dieu soit loué, oh mon wasifiwe, mes frères dans le ministère, Ndiakre Jérémy. Un diacre Flori. Oh, Shabash Flori. Pasteur Élisée, là où vous êtes. Pasteur Élisée, pas là où il est. Qui êtes-vous? Le frère dans le ministère de Frère Branham. Mes frères dans le ministère. Je suis vraiment avec vous ce matin. Nous sommes à la recherche de cette dernière brebis. Frère Branham dit, la brebis, la dernière que nous cherchons là, elle est peut-être à Phoenix ce matin. Je ne sais pas. Mais quand la dernière entrera, alors le berger fermera la porte. Applaudissons pour Jésus. Dans la prédication, l'enlèvement, un message du 4-12-1965, paragraphe 82. Frère me dit ceci. Il dit, le mot église signifie appeler Wordé. Et comme Moïse appelait une nation, Wordé une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse, Wordé une église. Une église, Wordé une église. Frère Branham dit, ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. Oh mes frères, l'épouse est formée de beaucoup de membres. Dans le même message, Jésus au propre 278. Frère me dit ceci. Je pensais, oh mon Dieu, un jour, il y aurait une déflagration qui viendrait du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ne sont pas encore ressuscités. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Frère Banamadi, nous nous mettrons en ligne et nous irons vers les cieux. Ce vieux corps, mortel, changé, devenu semblable au corps de sa gloire. Frère Banamadi, quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. L'enlèvement est devant nous. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. L'enlèvement est devant nous. L'enlèvement là, l'enlèvement c'est la seconde venue du Seigneur Jésus Christ. Oh mes frères, l'enlèvement qui est devant nous, montrant fièrement le sang de Jésus Christ sur leur poitrine. Pas sur la poitrine, mais sur leur poitrine. Au pluriel. Beaucoup. Beaucoup de membres. Des milliers de membres. Le sang de Jésus Christ sur leur poitrine. Le message de Dieu de l'heure, dans laquelle il vivait, frère Banamadi, c'est le moment que nous attendons, frère. C'est le moment que nous attendons, frère. Oh, mes frères, c'est quoi? Un jour, il y aura une déflagration. Nous n'irons pas au ciel en désordre. Nous serons en ligne. Notre messager, William Branham, devant nous, et nous se convertir. Nous sommes derrière lui, avec le sang de Jésus Christ sur le poitrine. Le sang de Jésus Christ, ce ne sont pas des composants chimiques. Le sang de Jésus Christ, le message de l'homme. Pendant que nous allons monter sur les poitrines des croyants de Malachie 4, il y aura le sang de Jésus Christ. Remplaçons X par sans valeur. Parce que le sang de Jésus Christ, c'est le message de l'heure. Remplaçons X par sans valeur sur nos poitrines. On fait comme ça. Malachie 4, Jean 14, 12, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Joël 2, 28, Hébreux 13, 8, Apocalypse 17, 7, Hébreux 4, 12, toutes les promesses faites pour cet ange, ce sont les affaires du Père. Et c'est quoi ça? C'est le sang de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà mon ami Bariki. Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier. Et chacun de nous pourra demander d'être de cette épouse-là qui va défiler avec le sang de Christ. Oh, gloire à toi, Jésus Christ. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Et toi qui nous as tant aimé, reviens, nous t'attendons. Jésus, reviens. Tout
toucher à sa fin. Reviens, reviens, Seigneur Jésus. Oh Jésus, reviens, oh, reviens, Seigneur, vers, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le vent. Toucher à sa fin. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, combien, Seigneur de gloire, nous remercions, Père éternel, ton saint et grand nom, pour ces glorieux messages autant d'histoires. Pour ton serviteur William Branham, nous te disons merci Seigneur. Pour la révélation des mystères autant d'histoires, nous t'adorons Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, ces choses que Daniel et les autres ont souhaité voir, mais Seigneur, il ne leur a pas été permis de voir Seigneur Jésus ces choses. Ils les ont saluées au loin Seigneur de gloire. Nous voici, nous, les vous de Malachie 4, Père éternel, tes enfants manifestés au temps du soir, Père éternel, au temps de la révélation des mystères cachés, Père éternel de gloire. Seigneur Jésus, nous venons, Père éternel, te dire merci pour ces privilèges, Père Tout-Puissant, de nous savoir faire, Père Tout-Puissant, vivre, Père éternel, au temps du soir. Seigneur de gloire, béni sois-tu, Père éternel, pour tout, pour ces messages, Seigneur de gloire, notre prière, c'est d'être comme toi. Notre prière, c'est d'avoir ton Saint-Esprit dans nos cœurs, Père éternel. Nous préparer, Seigneur de Christ, pour ce grand défilé, Père Tout-Puissant, de l'épouse de Christ, Seigneur de gloire. Oh, Père éternel, puisses-tu nous magnétiser, Seigneur Jésus-Christ, pour que quand toi tu viendras, le grand aimant, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons attirés, Père Tout-Puissant, vers toi, Père éternel. Oh, puissant roi, c'est pourquoi, Père éternel, nous remettons nos corps, nos âmes, nos esprits entre tes saintes et puissantes mains, pour ne pas, Seigneur Jésus-Christ, aller outre que ta parole, Seigneur de gloire. Oh, Père éternel, assiste chacun de nous, Père Tout-Puissant, sur ce chemin rocaillé, Père éternel. Sans ton aide, nous ne pouvons rien faire, Seigneur de gloire. Père Tout-Puissant, bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Puisses-tu l'inspirer, Père Tout-Puissant, puissamment, et qu'il soit toujours une bénédiction pour nous, Seigneur de gloire. Bénis le reste des services, Seigneur Christ, même quand sera le temps de retourner chacun dans sa demeure, Père éternel. Puisse tes anges, Père Tout-Puissant, nous accompagner, Père éternel. Et s'il y a un dimanche pour nous, nous ne manquerons jamais de venir en ces lieux pour entendre encore ta parole, afin de nous préparer, Seigneur de gloire. Reçois la gloire, l'honneur, reçois la magnificence au siècle des siècles. Toi, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, tu es le Dieu de William Branham. C'est dans les noms précieux élevés de Jésus-Christ que nous avons su prier. Amen. Amen.